développer. Ici, nous avons une photo de la grotte Belloni à Pestel, qui est magnifique parce qu'il y a des milliers de stalactites un peu transparentes, de toutes les couleurs, du blanc, orange, jaune, rouge. C'est vraiment fabuleux. Et ce patrimoine mérite d'être protégé. Parce que les gens peuvent dégrader ça, peuvent casser des stalactites sans savoir que c'est fragile, ou alors écrire leur nom partout, et ça c'est un patrimoine qui serait perdu pour Haïti. Oui, dans une grotte, il y a un silence complet. Il n'y a strictement aucun bruit. Donc au début, l'esprit n'est pas habitué à n'entendre rien du tout. Et puis l'imagination commence à faire des choses. On se met à entendre des bruits. Parfois, il y a des petites gouttes d'eau et on croit entendre des voix humaines. Et ça, ce sont que des hallucinations auditives, on va dire. Et donc, on s'imagine qu'on entend des bruits et ça fait naître beaucoup de légendes. Dans cette grotte que nous voyons ici, qui se trouve au Mall Saint-Nicolas, c'est le trou Princeton. Et cette grotte était maudite. Il y avait un diable à l'intérieur. Si on laissait des chevaux à l'entrée de la grotte, disait-on, les chevaux le matin étaient tous morts et le diable était venu se servir. Et en explorant cette grotte, j'ai trouvé au fond de cette grotte une source d'eau potable. Et du coup, les gens locaux qui n'osaient pas descendre dans cette grotte, tout d'un coup, ont trouvé une nouvelle ressource. Et maintenant, les enfants, au lieu de faire 2 heures de marche pour aller chercher l'eau à la borne fontaine qui se trouvait très loin, peuvent entrer dans la grotte et aller puiser l'eau directement au fond de ce trou. Avant de vous laisser, Olivier, qu'est-ce que vous nous diriez de cette exposition? Est-ce que vous allez faire le tour du monde avec cette exposition, puisque beaucoup de personnes dans le monde entier aimeraient découvrir cette île? Et alors, qu'est-ce que vous diriez avant de nous laisser? Cette exposition, tous les Haïtiens et les non-Haïtiens qui ont vu cette exposition trouvent ça magnifique. Tout le monde nous dit, mais on ne savait pas qu'Haïti avait autant de grottes, était aussi belle. Donc, moi, j'ai envie que cette exposition fasse le tour du monde. Elle va tourner dans différentes villes en France, en Amérique du Nord et en Haïti. Si vous voulez l'accueillir, il suffit de nous contacter sur le site www.grottedahiti.org. Et je remercie tous nos partenaires, notamment l'UNESCO, le ministère de la Culture et de la Communication en France, l'ambassade d'Haïti, Suez Environnement, la Fédération Française de Spéléologie et tant d'autres. Écoutez, grâce à vous, on découvre d'autres beautés d'Haïti. On parle d'Haïti de ses plages, on parle d'Haïti de sa cuisine, de sa musique. Et grâce à vous, on découvre encore d'autres beautés de la perle des Antilles. Merci à vous. Merci et à bientôt. À bientôt.